Voilà, les deux manquent à l'appel. Il y a beaucoup de place au bord du Canadien. Cela dit, au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de communiqué officiel du Canadien. Exact. Alors, attendons. Et pour l'instant, ben, c'est Kirby Dach qui déjà passait beaucoup de temps sur la patinoire. Ben, vous aurez deviné que avec l'absence pour l'instant de Dach. Voilà, et Dach a accepté l'invitation de Copp. Sauf que non. Je peux comprendre. Il était déjà devant là qui est absent. Oui, mais Pierre, ça, 100% d'accord avec toi. Et là, j'ai demandé, pendant que le combat s'engageait, j'ai demandé à revoir les images. Je vais vous expliquer pourquoi, là. Et Copp est allé passer le message à Dach. C'est à cause de ça, ici, en première période. Et ce geste-là va être épié par la Ligue nationale de hockey, ça, je peux vous le dire. Voilà pourquoi, dès la mise en jeu initiale, les invitations avaient été lancées. Dach et Copp jettent les gants. Dach a regagné le combat, mais comme tu dis, c'est le Canadien qui perd aux chances, là. Donc là, c'est Monahan, Evans, Dvorak et Dach. Quatre joueurs de centre qui sont pas là. Et ben, qu'est-ce qu'on va donner? Consentement mutuel? Ouais. C'est quand même 5 minutes. 5 minutes plus là. Alors.